L'actualité, en ce moment, vous l'avez remarqué, si vraiment vous ne suivez pas, attention, pourtant on fait ce qu'il faut. Ce sont les JO, voilà, les Jeux Olympiques de Rio. Et Julia nous présente un site qui nous permet de... Ah ben ça, c'est une bonne idée, ça, de nous habiller comme les athlètes. Exactement. Vous les voyez, ils défilent, ils sont beaux, tout ça. Je peux vous proposer, moi, un site qui s'appelle sportdepoque.com, sur lequel vous allez pouvoir retrouver les vêtements qu'ils portent, l'idée à peu près, pas forcément à l'identique, mais surtout, regardez, au travers de chaque sport, vous allez pouvoir choisir les accessoires, les suites, les chemises, les t-shirts, tout ça, et surtout, que ce soit des équipes nationales ou des clubs français dans tous les sports qui existent, que ce soit le rugby, le foot, mais aussi tout ce que vous pouvez voir en ce moment au JO. Il y a aussi les tenues d'époque. Voilà, les premiers JO 1893, vous allez pouvoir retrouver les premières tenues de l'époque avec les petites chaussettes qui vont bien et tous les petits polos qui paraissent maintenant hyper vintage à souhait. Donc vraiment, je vous propose, ça s'appelle sportdepoque.com et je vous le recommande. On est en plein dedans en ce moment. Très bien, j'hésite entre la tenue de Michael Phelps et celle des escrimeurs. La tenue de Michael Phelps, oui, ça va avec le... le torse, c'est tout ça. Ouais, j'ai bien vu que vous souriez, j'ai compris. Oh, j'ai bien, vous savez, je reste solide, j'ai bien compris. Bon, allez, en tout cas, c'est une super idée.